tous, j'espère que vous allez très très bien ce début décembre. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un, j'allais dire un book haul. Non, je vous retrouve pour le haul action donc du mois de décembre. Il n'y en a pas eu au mois de novembre. Il n'y a pas eu de haul nose non plus. Il n'y a pas eu de book haul non plus parce que bon bah novembre ça a été le mois où j'ai galéré financièrement. Hein. Je suis une gilet jaune. Voilà. Voilà, j'avais trop de frais nounou. Le mois d'avant, j'avais eu des frais dentaires. Enfin voilà, donc tu payes à manger et encore. Voilà, je paye mon essence pour pouvoir aller bosser et basta quoi. Donc ce mois-ci, ça devrait aller un peu mieux. Mais avec chéri et tout ça, on se fait pas vraiment de cadeaux, on fait des cadeaux à bébé. Et voilà, donc ça va être des cadeaux actions, ça va être des cadeaux stocco, ça va être des cadeaux nose. Voilà, ça va être des vêtements, ça va être un peu de jouets. Voilà. Et pour Doudou, bah, on se fera plaisir pendant les prochaines soldes. Voilà. On fait comme on peut, hein. Voilà. On n'a pas tous le porte-monnaie de Macron. Oui, Bella, qu'est-ce que tu veux? Je disais avant d'être interrompue par Mademoiselle Bella. On se retrouve aujourd'hui pour le haul action du mois. J'avais besoin de quelques trucs. Il y a des choses dont j'avais besoin mais que j'ai pas trouvé. Parce que là c'est un petit peu le bordel action avec les fêtes. Voilà, il y a pas mal de déco tout ça. Et il y a des produits que je cherchais qui n'y a plus. Mais bon, je vous montre tout ça, je vous mettrai les prix à l'écran. Je ne sais pas nous. Hein. Comme d'habitude. Normalement, mon ticket de caisse est dans le sac. Normalement. Donc, tout d'abord, je me suis acheté une pince parce que j'ai tout cassé toutes mes pinces. J'en ai plus une seule en état viable. Donc, je me suis racheté une pince. C'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Ça fait le job, mais je la trouve pas terrible. Pas super belle. Elle m'arrache les cheveux parce que, bon, vous avez les picots là et vous avez des picots à l'intérieur. Je sais pas si vous allez les voir. Mais. Peut-être comme ça. Voilà, il y a des picots aussi à l'intérieur. Bon. Le fini est pas top. Hein. Bon, pour l'instant, ça fait le job. Ah. Il y a Bella qui se tape la cruche derrière. On va risquer de la voir dans cette vidéo. Hop. Pareil, au niveau du son, de l'image, j'essaierai d'améliorer ça au montage. Je me suis pris un autre chaussette. Voilà. Donc là j'ai trouvé un coffret, je crois que ça devait être 2,59€, je sais pas. Donc j'ai trois paires, donc je les ai pris en 35-38. Voilà. Donc je refais le stock de chaussettes pour jeter celles qui sont en fin de vie. J'ai repris des cotons, même si je disais que je les aimais pas ceux-là, mais les autres ils y étaient pas. Donc bon, il me fallait des cotons, donc j'ai pris des cotons. Voilà, donc de chez Alvira, il y en a 50. J'espère que je retrouverai les autres dans une autre action. Enfin, j'espère. Parce que je préfère vraiment les carrés. Ensuite, je me suis pris un 3D die cut block. Donc, 12 feuilles. Voilà, avec des petites décos de Noël pour mon bullette ou pour les cadeaux. Voilà. Mais là, arrête! Je m'en suis pris un deuxième dans les tons un petit peu plus pastel. Voilà. Je les aime beaucoup ces trucs là. Ma petite puce. J'ai pris une boîte hermétique. Voilà. Ça va au freezer, ça va au micro-ondes, ça va au lave-vaisselle. Ça va juste pas dans le four. C'est un petit peu normal. Mais voilà, il m'en fallait une un peu plus grande pour les repas de Bibou pour lui du midi quand il est chez nous. Voilà. Ça c'est voilà, j'ai une pince. Je lui ai pris une petite paire de chaussettes antidérapantes. Spider-Man. Lui il appelle ça Bengam, je sais pas pourquoi. Donc en 23-26. Et voilà, pour qu'il puisse courir sans casser la binette à l'intérieur de la maison quand il veut pas mettre ses chaussons. Donc voilà, il y aura des petites chaussettes antidérapantes à tester. On verra bien ce que ça donne.
Je me suis repris ça pour les toilettes. Parce que bon, bah, ça dure son temps. Franchement, ils sont très bien. Donc j'en ai repris. J'ai pris une petite paire de chaussons pour Bibou. Dans ce sens-là. Voilà, avec une petite voiture devant. Donc je les ai pris en 20, c'est du 25, il n'y avait pas en dessous. J'aurais bien aimé prendre du 24, mais j'ai pas trouvé. Donc à voir, si elles sont vraiment trop grandes, elles vont attendre un petit peu. Je leur prendrai des 24, parce que là il est en 23, mais je pense qu'il est en plus en 23,5 là. Donc voilà, c'était vraiment pas trop cher. Donc. Et je préfère qu'il ait des chaussons à la maison. Ensuite, je me suis repris un petit set... voilà, deux petites ampoules et fusibles pour la voiture. Là, j'ai deux ampoules à changer à l'arrière. J'en ai déjà un dans ma voiture, mais on en a déjà utilisé quelques-unes. Donc, ça se trouve, c'est plus celle qu'il faut. C'est pour ça que j'en suis repris un. Bon, ça sert toujours ça. Ensuite, j'ai repris les voitures Cors. Donc là, j'ai pris celle-ci. Donc, APB, Isabelle. Donc, c'est une voiture de... Je perds toujours le nom. Derby. Voilà. Donc celles-ci, elles seront pour Noël. Oui, elles seront. Donc ça veut dire que j'en ai trouvé plus. J'ai pris aussi la 33. Donc lui, il s'appelle Dud Trottelman. Celle-ci. Et je l'ai trouvé chez Star Vilbrequin. Donc ça c'est Flash, mais camouflé sous de la boue. Celles qui ont regardé le film le savent. Donc voilà, trois petites voitures en plus pour Noël. Il y en avait d'autres, mais donc là j'avais pas encore ma paye, j'attendais. Voilà. Je me suis repris une éponge pour Jacques, donc noire. J'ai pris un paquet de lingettes comme ceci. Ça c'est pour mettre dans le sac à langer, donc j'en prends des refermables. Voilà, donc celles-ci je les ai pas encore testées. Bon, c'était pas trop cher. J'ai pris aussi celle-ci. Là j'en ai déjà ouvert un paquet, donc j'en ai pris deux comme celle-ci. Donc ça c'est pour les mains et le visage, et elles sont super bonnes. Donc elles sont guère plus chères que celles que je prenais avant. Mais il n'y a pas le ça dessus, donc bébé il a tendance à l'ouvrir, refermer, rouvrir, fermer, il ferme plus, du coup elle sèche un petit peu. Donc voilà, j'ai opté pour celle-ci cette fois et franchement je suis vraiment pas déçue parce qu'elles sont super bonnes. Elles sont par 40. Ensuite, j'ai pris des petites chaussettes pour Bibou. Donc en 23-26, parce que là je vais faire un gros tri, il y en a plein qu'il faut que je donne parce qu'elles sont devenues trop petites. Et j'en avais déjà acheté, mais elles sont un peu trop grandes. Donc je pense que celle-ci, elle va en aller relativement bien. Donc il va être content. C'est du Bingham, du Spiderman. Donc trois paires. Et c'est des grandes. Parce que là, il en avait, mais des courtes. Donc ça le fait plus, hein, vu la température. Je me suis pris un End de chez Angel. C'est un nettoyant pour les mains. Sans savon, enfin voilà, parce que j'ai pas assez au boulot quand j'ai pas d'eau ou quoi. J'aime bien me nettoyer les mains quand même après avoir été donné. Chut ! Après avoir été donné une bouteille de gaz, j'aime bien me laver les mains parce que les bouteilles de gaz sont dégueulasses. Et que j'ai pas d'eau quand je le veux en fait. C'est pas à disposition, faut que j'appelle telle personne pour qu'elle m'ouvre la vanne. Enfin, c'est très compliqué les conditions de travail en ce moment. Donc voilà, je prends ça au boulot et ça me permet d'avoir les mains à peu près propres. Voilà. Donc là, c'est au green tea. Je crois que celui que j'ai en cours là au boulot, c'est à l'aloe vera, il me semble. Mais bon, voilà. C'est très liquide, enfin c'est très... c'est sous forme de gel et quand vous frottez, ça devient très liquide. Et après, bon, j'y vais avec un essuie-tout et ça fait le job. Je me suis pris un Little Joe. Aux fruits, ça sent pas à travers. Bon, ça, c'est pour mettre dans la voiture, hein, clairement. J'en avais déjà acheté, mais à la menthe, et j'ai pas trouvé qu'il durait très, très, très longtemps. Donc, je vais voir avec celui-ci. C'est fun. Voilà. Ensuite, je me suis repris un allume-gaz. Voilà, ça sert tout le temps.
Donc voilà. J'ai repris des croutons à l'ail. Ils sont très bons. Et Bibou les aime aussi. Quoi. Voilà. Du pain à l'ail. Ensuite, j'ai repris des lettres pour ma lightbox. Parce qu'il y a des moments où je suis embêtée. J'ai pas assez de telles lettres pour pouvoir écrire le mot que je veux. Donc voilà, je me suis pris un deuxième set. Comme ça, j'aurai moins de soucis. Ensuite, je me suis pris une serviette microfibre pour les cheveux parce que j'en ai une qui est en fin de vie, donc et ça c'est la vie. Voilà. Donc ça je rachète toujours et voilà, là j'en ai 3 en tout. Et là j'en ai une, elle est complètement morte, donc je vais la jeter et voilà, je vais passer avec 3 roses. Ensuite, je me suis pris un autre désodorisant pour la voiture. Voilà, les cornes. Au jasmin, ça va peut-être sentir très très fort. Mais bon, je vais pas l'ouvrir en entier au début. Hein. Mais oui, t'es trop chou, qu'une licorne. Ensuite, je me suis pris des noisettes enrobées de chocolat. C'est la première fois que je les voyais, celles-ci. Donc, là, j'ai voulu tester 150 grammes. Ensuite, je me suis pris le All Purpose Cleaner à la rose et au gingembre. Je pense que c'est ça, rosemary et ginger. Voilà, donc celui-ci c'est pour tout, c'est un nettoyant pour tout celui-ci. C'est pas comme les autres où il y en a un pour la cuisine, il y en a un pour la salle de bain, il y en a un pour ouais, c'est ça. Je suis naturellement puissant et j'élimine la saleté partout. Je suis constituée d'huile essentielle de romarin. Ah non, c'est romarin, rosemary. Vous voyez, j'ai des bêtises. Romarin et de gingembre. Et d'huile de palme renouvelable certifiée. Je suis composée de 98% d'ingrédients avec une base végétale et je suis biodégradable à 100%. Je testerai celui-ci. Je me suis pris un mascara parce que le mien est bientôt fini. Donc c'est de la marque Miss Sporty, le Studio Lash 3D Volumétique. En black. C'est la première fois que je le voyais, celui-ci, Action. Donc, je vais voir. La brosse est comme ceci. Voilà. Pico plastique, je verrai bien. Ensuite, je me suis pris un petit parfum de sac. Donc, autre parfum, 10 ml. Du coup, il est fermé, fermé. J'ai trouvé la bouteille est très très jolie. Même pour offrir, voilà, faire un petit cadeau. C'est très joli. Et ensuite, je me suis pris des clear stamps avec les jours de la semaine et les mois. Voilà. Parce que voilà, j'aimerais bien que, parce que j'arrive pas à avoir une belle calligraphie comme ça. J'arrive pas à écrire comme ça. Et voilà, pour aller plus rapidement dans mon. Pour mettre plus rapidement dans mon. Ah, pour faire mes délices beaucoup plus rapidement dans mon bullet. J'y suis arrivée. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Parce que j'aime bien les écritures. J'aime bien cette calligraphie. Donc là, il faut que je le mette à jour pour le mois de décembre. D'ailleurs, j'ai la vidéo à vous faire. Je sais pas quand je vais réussir à vous la faire. Parce que c'est compliqué vu la luminosité de brun. Le bazar sur mon bureau. Et avec mon fils. Je sais pas trop quand, parce que j'ai le mois de novembre à vous montrer comment s'est passé mon mois d'octobre avec mon bijou. Et là, ma déco pour le mois de décembre. Donc, j'ai pris beaucoup de retard, mais bon. Voilà. C'est une vie de maman, qu'est-ce que vous voulez. Une maman qui travaille, c'est difficile. Donc j'ai terminé. Et oui. J'ai bien mon ticket de caisse, donc je vais pouvoir vous mettre les prix à l'écran. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait des petites trouvailles à Action. Voilà, ça pourrait me tenter. Mais bon, dites-moi si vous avez trouvé d'autres trucs qui pourraient me plaire. N'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao. Et il y aura peut-être un book haul ce mois-ci. Peut-être. Thank you.
Mmh.